a star. Il est bon que tu donnes un effet. Et un bâton. J'ai pas mes raisins et tout. Alors bon, on va commencer. Passe donc. Ici la dame qui nous présente les ingrédients de la recette. Ne vous en faites pas, on va repasser souvent. C'est vous, Nadine, merci beaucoup. On va donc débuter avec une demi-tasse d'huile végétale que nous mettons dans un cul de poule. Grattez bien le fond. Pourquoi vous appelez ça un cul de poule? Ça ressemble à un cul de poule, c'est clair, on a rayé les cheveux, je te dis. C'est grand talent. Bon. Ah, ça! Ensuite, nous prenons deux œufs. C'est ça, un cul de poule. Deux œufs. Je vais aller le jeter. Bien. Mélange avec l'huile. Ah, des petits plats pour mettre les déchets. Maintenant, je vais les apporter, moi. Ça marche pas. Faites attention à votre chapeau, moi. Oups. Tenez, s'il vous plaît, maman, ça va pas. Vous jetez mes déchets dans la poubelle, bien sûr. Ah, moi, vous aimez mieux les manger. Perdez pas votre chapeau comme moi. C'est pas hygiénique. Ouais. Deux points de mérite. Voici encore la recette. Si vous voulez la voir. Ensuite. Bonne nuit. Je pourrais la lire. On a 3 millilitres de sel. Ça relève le goût. On c'est à nous le bicarbonate de soude. Le goût amer. Oui, ça m'annule. Oui, 3 millilitres de sel. 3 millilitres de sel. Si. 3 millilitres de sel. On a 125 millilitres. Ensuite, de végétal. Et deux sous œufs. 250 millilitres de cassonade. Ça se suit. 200 millilitres de cassonade. Ben moi, c'est de farine de blé entière que j'ai. C'est pas ok. Ça, c'est pas de ma faute. C'était un. Ah oui, mais! J'en ai des jambes. C'est une question de un mouton. On va poser le mouton. Oh, je l'ai oublié. La cassonade doit être bien entassée dans la tasse pour être certain d'avoir bien. Une tasse! Parce que. Parce que. Pour combler le vide, des trous, des particules, des substances de bâton. Exactement! J'ai parlé Nadine. Ou qu'il est dans la. Dans le garde-robe, dans le passage. Bien entassé. Ok, j'ai oublié 250 ml de cassonade. Je vais le rajouter. Je pense que c'est bon. Bon, si vous faites des dégâts, ramassez-le tout de suite, ça vous en fait mal à ramasser à la fin. Ici. Bon, vous pouvez le mettre à terre, ça fait. D'abord, j'ai mon assistant pour pas sa balayeuse. Ensuite, le petit ingrédient miracle qui donne le goût à votre recette, l'essence d'érable. Mettez-en 5 ml, puis si ça vous fait triper un peu plus, bah, possible, une cuillère à soupe, une cuillère à personnage, c'est parfait. Puis l'ingrédient suprême, je l'avais oublié. Fait que je l'ai mis en bas. Je l'ai mis en bas, c'est la pisse. Une chance que je suis agrippée. Une chance d'avoir oublié. C'est comme ça. Dans le passage. On va aller chercher une belle lèche. Ensemble. Ensuite, on va battre tout cela ensemble. Jusqu'à obtenance. Montre-les à TV. Obtance, t'as peur, j'ai plein de cochonneries, là.
de substance homogène. Homogène, ça veut dire une phase que tu peux distinguer. Là, c'est hétérogène. Pour l'instant, vu que tu décides vigoureusement. Pas trop. Non, mais les pieds. Mais tu manges un fouet de ça, toi. Non, c'est bien long. Je peux prendre un vapeur électrique, ça va plus vite. C'est moi qui fais ça là après, parce que ça me dit pas de les laver. Je pense que. La technique, c'est de beurre, du fond. Le ballon, on le reprendra plus tard. On n'a pas besoin encore pour nous. Ok, on bat jusqu'à une substance homogène, comme vous avez dit. Ben là, ma petite recette, tu ne verras pas trop. Hein? Il manque beaucoup de choses dans ma petite recette. Tu fais bien de le dire. Ensuite, mélangez la farine et le soda. Très important pour que le soda soit bien réparti partout dans la farine, pour qu'il soit bien réparti dans la recette. Farine de blé antique, sinon. Moi, je vais passer une tasse. Un petit tour avec ma recette pour que l'assistance va bien. Quelle belle assistance nous avons ce soir! C'est fou là! Applaudis un peu là! Tu peux me parler, hein? C'est combien de bicarbonate de soude? 3 ml de soude. Même chose que le sel. Oups! Et de 1. Et de 2. Voici une recette plus complète avec tous les détails. Je vais la relire. Biscuit nature, 125 ml d'huile végétale, 2 œufs, 3 ml de sel, 250 ml de cassonade, 5 ml d'essence d'amande ou d'érable, 250 ml de farine de blé entier, 750 ml de gruau, 3 ml de soda, 125 ml de noix, raisin sec ou pépites de chocolat. Battre l'huile, les œufs, le sel, la cassonade et l'essence d'amande. Mélangez la farine et le soda. Ajoutez au premier mélange. Ajoutez le gruau et les noix ou petit point, ça dépend de votre choix. Déposez par cuillère une sur tôle graissée. Ça veut dire que tu déposes une cuillère sur une tôle graissée. Ça. Cuire au four bon, un peu, hein? Oui. Cuire au four à 350 degrés, 15 minutes. C'est pas long, c'est une petite recette facile avec Nadine et Manny. Manny. Ça se dit, bon, tu fais quelque chose de hop, d'accord. Donne-nous des petits trucs là, pour la peau grasse. Ok. Des trucs faciles pour la peau grasse. Si vous avez la peau grasse, évitez le chocolat, le café et la colle. Mélangez du foie, les asperges, le lait, les pommes de terre, le sel, l'huile d'arachide ou de maïs. À tous les deux mois, nettoyage esthéticienne. Pas de produits trop alcoolisés, exposition trop fréquente au soleil, ça n'aide pas pour le gras. Ensuite, ajoutez le gruau au premier mélange, 3 tasses. Ça vient dur à mettre à la fin, là, mais vous sortez vos cours. Hein. Comment ça, 3 tasses? On va faire le gruau. 750 ml. C'est ça, c'est 3 tasses. 250 plus 250, 600 plus. Ah, ok. 500 plus 250, c'est 550. Allez, remplis-moi ce rempart. Ben, ça, c'est plus c'est immédiatement. Un petit nuage qui vient de passer en arrière de nous. Ils sont pas propres, ces taux-là. Tu as fait des biscuits là-dedans. Mais ça, c'est de ta faute, ça, mais.
T'as qu'à pas cracher dedans. Et toi qui vas y graisser. Hey, ça, c'est bon quand c'est. Veux-tu goûter, Nadine? Non. Moi aussi. Monsieur de l'assistance, il a gagné un bien VIP. Hey, les cuillères! Il a gagné un bien VIP pour rester. Voyons, à l'arrière, avec nous, à notre superbe recette de biscuits nature. Et l'aider l'assistance, fait que c'est le pré-assistant ou. C'était la dernière balle de crocodile. La dernière assistant! La le chef assistant, non. L'assistant chef prêt. Ouais, assistant! Vous pourrez me. Oui, en collaboration avec le Cracker Jack. Ah, je viens de plier la tonton du vidéo. C'est qu'à regarder du match, à notre promenade, c'est toi. Et le don, là, un autre temps, un bio. C'est un cassonneur. Alors, on va bien les mains, ils sont toutes sales. Bon, c'est pas avec ça, hein. C'est pas conseillé. J'avais pas trouvé ça. Un peu compresse avec ça. Un coup d'air d'eau, une salle aussi, c'est régulier. Nadine, tu vas-tu montrer ça à ton chum? Je sais pas, là. La course à ses JPM, on dirait. On est branché sur la TV. Oh, on est brave. Faut que je m'apprête à manger. Je salive jusque dans la recette. Parleriez-vous des petits biscuits avec ça? Non! Ah, ça vous ferait du bien. Ah, une cuillère avec un trou. Ça, c'est la baisse. Parlez d'Amanda, là! Ah, on dirait en plus. Une demi-tasse dans les insectes, s'il vous plaît. Allez, allez! Tiens, ça va trouver. Les petits raisins? Oui. En matin. Tu m'attends? Alors, on a ici les raisins. Hein? Hein? Fait du jour. Son sec, mais comment c'est? Hein? Alors, le chef gros lot est du pied. Il fait du vin. Mets ta. Mets ton cul de poule à terre. Une cuillère à trous, ça marche pas, ça. Une belle substance. Ça sent bien réel. Continue. Oh, ta main, Mélanie, je peux pas. Je supervise. Encore, encore. Plus à la droite, là. Regarde, c'est blanc. D'accord, c'est beau. Merci beaucoup. Je pilasse tout partout. Et voilà. Notre substance obtenue. Maintenant, les insectes. Comment t'as vu? Une demi-tasse. Oh la vache. Il en est vraiment assez là-dedans. Je pense que je vais remettre...